Yo c'est avocat, artiste, docteur, professeur, journaliste, athlète, musicien, entrepreneur, marchand. Yo c'est femme pays, potomitan, pilier nation. Radio Nationale pote pour nous voix femme. Toute femme la pays. Voix femme, c'est une émission qui passe chaque dimanche bon 7h soir. Qui partager à coup information, expérience, toute qualité femme dans société. Femme si la yo gen ka, yo gen nan ma courage, la point femme sous la terre, qui ka femme passe ça à la femme yo belle. Barre soleil la cap baigné, yo carnaval coule mélangé. Moi di merci pour de green gem, pour kem qui nan mit en comme qui va jam mon cœur aimé. Merci pour même qui caressé, tout mon amour mené en vim. Merci pour ça maman zombi, qui là qui campé côté pour courir la voix tombé. Un jour moi ri, un jour crié. Bonsoir tout le monde, dans l'émission Voix Femmes jeudi, on a recevoir DJ Kemisa Tressil, qui sont juristes dans le bureau Accor CARICOM, et puis qui c'est DJ Jean-Fexo Dino Lia. Jeudi, on a appris qu'on est qui est lié, qui est femme exceptionnelle, ça qui bataille pour réaliser rêve pour le monde que lié jeudi. Qui a deux métiers opposés, qui opposés en pile. On découvre ensemble qui est Kemisa Tressil, comment elle fait avocat et DJ en même temps. Nous te font bon petit parler avec DJ Kemisa dans le téléphone, qui a raconté nous, qui a confié nous, Vili, red branché. Bonsoir Kemisa, nous sommes bien contents de recevoir dans l'émission Voix Femme, dis-moi ça. Bonsoir Déborah, c'est un plaisir pour moi pour mon émission pour la femme jeudi. On a rappelé pour vous, même avec tout l'autre auditeur qui a attendu nous là, que l'émission Voix Femme, c'est une mission qui est là pour motiver les jeunes, pour éduquer à travers l'histoire invitée, vie professionnelle, vie personnelle. Kemisa Tressil, c'est une femme touche à tout. Nous joignons comme DJ, juriste et autres. Parlez-nous de Kemisa Tressil. Qui est lié côté le fait? Moi fait à Port-au-Prince en Haïti le 23 mai 1989. Moi grandi Delma. Moi fait toute étude classique moi en Haïti. Ce n'est que pour étude universitaire moi que moi viens partir pour moi étudier et les sciences juridiques en France en Europe. Et moi j'étais toujours passionné de musique depuis longtemps, même pas jamais pensé en là que passion pour musique, tap menem vers une carrière de DJ. Donc, ce n'est qu'à mon retour en Haïti, après m'en fin installé dans la première profession qui c'est dans le domaine juridique. Et c'est à ce moment-là que m'en vin développer vraiment passion pour le domaine de DJ. Parlez-nous de enfants sous en Haïti, Kemisa. Qui genre de timon gotéye? M'a fait un petit retour dans le temps pour situer. Donc là, on est dans les années 90. La situation politico-économique du pays commence à être difficile. On est dans la stabilité politique. Mais n'empêche que dans le cloison familial, dans l'environnement, j'ai eu une enfance vraiment heureuse et bien encadrée par mes parents. Si moi ka décrit moi ka dit depuis ton petit monde qui calme, au contraire c'est comme ça que te kon décrit, c'est ça qui était particularité, moi était un petit monde qui calme. Mais ça pas veut dire que le fait que moi calme là, que moi pas parler souvent, que moi pas capter toute bagaille. Et la preuve, moi gagne en mémoire d'éléphant, si moi ka dit comme ça, à côté me songer en pile bagaille en face, mais parce que et le fait que moi était calme
et réservé quelque part permet me capter en pile bagaille. Donc c'est même amour pour la musique là commencer à développer dès ce jeune âge parce que c'est depuis un petit moment que je commence à prendre des cours de piano. Donc côté passion artistique là commence à développer dès mon jeune âge, mais depuis un petit monde qui calme, qui pas extériorisé toute vibration ça yo qui était en dedans mais cap capter plutôt et toute vibration vers l'intérieur. OK, ou fini études classiques ou en Haïti ou vinn traverser en France quand ou al étudier sciences juridiques. Comment étape ça a été dans vie ou côté que ou quitté parents en Haïti ou al étudier dans pays étranger. Comment ça a été? Voyager à la France pour moi c'était une étape marquante à tous les niveaux. Moi pas l'expliquer pour que ça. Moi j'étais habitué à voyager déjà et vivre en Haïti, grandir en Haïti veut dire que moi plus une influence nord-américaine. Côté que traditionnellement nous très influencé par un pile bagage qui sont aux États-Unis, que ce soit la façon de consommation nous de sanapé importer et tout un mode de vie que nous sommes habitués avec influence plutôt nord-américaine. Après la langue française et quelques outils d'éducation, nous pas vraiment importer autant de choses de la France. Donc, l'envin en France, c'est une expérience totalement différente côté que moi vinn exposé à une mentalité totalement différente de ça que m'étais habitué déjà. Et ça vinn marquer à jamais positivement parce que ça vinn forger caractère moi dans l'autre sens, c'est vinn faire découvrir et de nouvelles façons de faire qui j'ai et l'autre monde a milité dans les domaines moi tout viré et dans sciences juridiques là ça vient faire que côté moi ouais qui genre évolution droit romano germanique là que nous gagnons et en Haïti qui genre l'a fait en France qui genre mon a milité pour droit femme en France par exemple et mode de vie et à tous les niveaux l'aime rivé en France et moi j'ai eu la chance de découvrir l'autre pays de l'Europe, c'est tout une autre mentalité. Et ça moi j'étais habitué fait en Haïti, c'est sûr vinn gon sorte de décalage que moi j'étais obligé réadapter mais que moi j'ai réussi faire et son expérience que moi pensais que chaque jeune étudiant même si ou rete dans pays pour faire études mais l'important pour aller vers l'extérieur, pour faire de nouvelles expériences, pour exposer à d'autres mentalités, n'est pas obligé dans les pays traditionnels donc aux États-Unis, France, mais vraiment avoir un regard ouvert sur le monde parce que là découvrir d'autres côtés dans le monde nous permet tout gagner une autre mentalité, apprécier la vie en l'autre gens, là gagner un regard ouvert sur le monde en général. Mélanger, moi dis merci pour de grandes ou kem ki nan mi tan kom ki pa janm mon cœur aimé. Oui, c'est vrai effectivement le voyage dans plusieurs autres pays ou partager culture yo, li vinn fò wè vie en l'autre façon. Dis-nous, ki pi bon expérience ak mauvais expérience tout côté fait pendant voyage ça yo. C'est pas pour rien que y relé l'Europe, le vieux continent, c'est à cause de tout un ensemble de cultures, d'histoires riches. Et c'est ça qui était plus belle expérience moi en Europe au niveau culturel qui te permet moi venir voir culture riche grâce à tout site que moi été visité yo. Par exemple Notre-Dame de Paris qui bon site malheureux qui arrivé l'autre jour après incendie moi été gain chance visiter et en cathédrale comme ça qui représentait un pile dans l'histoire pour les amateurs d'art et de culture nous connaît qui ça site historique yo. Pour présenter là visiter le musée du Louvre et en France particulièrement que chance qu'un pile patrimoine mondial et culturel c'est pas pour rien que siège et UNESCO là donc c'est enrichissement culturel ça que moi qui était une plus belle expérience ouais et en France au niveau éducation bien sûr avec formation de haute qualité que moi recevoir j'ai une chance qu'un des professeurs des conférenciers et de haut calibre qui permettent moi recevoir une formation de haute qualité
et si m'a parlé connien de mauvaise expérience moi ca résumer a dit que pas de jam vraiment senti me la caille les en France parce que même si son pays côté gain toute nation toute race mais quelque part mixage de culture là pas jam réussi fait vraiment et c'est ça qui était pi mauvaise expérience que moi ca raconter parce que pas j'aime vraiment sentir la caïmen dans pays donc là fait plusieurs années dans pays sentir vin adopter culture là à ton tour et c'est vraiment important et moi pas j'aime sentir que moi arrivé faire ça mais sinon et la France a toujours été dans cœur parce que c'est quand même un petit dans vie que moi fait là donc c'est là toujours marqué. Ou fin pas son temps en sciences juridiques, ensuite ou rentre en Haïti et puis ou vin DJ. En sérieux, pas quoi que gan pile monde qui fait ça. Pour qui ça que ou fait choix à ça? Ou aller étudier sciences juridiques et puis ou rentre en Haïti et puis ou vin DJ. Qui j'en ça t'es? Comment transition ça t'es faite? Alors c'est pas une transition automatique. Côté que moi rentrer en Haïti après les sciences juridiques, moi vinn DJ. Moi pral raconter un petit peu tout étape pour moun yo ka comprendre, pour moun yo ka vraiment comprendre côté me sorti, côté me vle rive avec ça m'a fait. Donc moi rentrer en Haïti comme jeune finissant et m'a chercher travail. Moi commencé travail dans domaine moi. Moi commencé faire des expériences professionnelles qui c'est en l'autre étape marquant encore parce que lorsque dans l'université et puis après ça on commence le travail c'est tout une autre expérience et moi commencer suivre monde professionnel là et puis parcours normal jusqu'à présent parcours sa famille m'a battu jusqu'à présent et m'a suivi mais et pour le divertissement pour mon hobby ça veut dire ça moi me fait sous côté c'était toujours musique c'était toujours tant de musique c'était toujours essayer faire mixage, mon propre playlist, moi, ça c'est ma employé des jargons de DJ. Donc, j'ai toujours aimé faire ça et en privé ou bien pour amis, juste entre nous. Et puis, on continue à faire ça pour divertir. Et puis, à ce moment-là, mes amis me disent musique que vous passez, mix que vous faites, toujours bien intéressant. Est-ce que vous pouvez aimé passer musique pour anniversaire mais? Et puis je me dis bon pas de problème avec plaisir et puis c'est comme ça on vient passer musique l'anniversaire en même là et puis tout bagaille tellement bien passé on bien content il arrive que un promoteur qui était dans fête ça tout qui dit m'ta aimé bonne chance pour performer sur scène et c'est comme ça que première porte yo commencé ouvrir pour moi dans domaine mais jusqu'à présent et tout malgré tout, je fais une belle expérience ça et c'est DJ beaucoup activité principale même beaucoup penser que moi parlons on DJ vraiment on dit bon moi mes musique moi lancer pourquoi pas mais c'est toujours un hobby on bail que me faire sous côté pour divertissement et puis c'est comme ça comme pour moi promoteur qui était bonne chance pour moi jouer dans activité à Libanwell et c'est pour la première fois que m'ap sous scène devant des monde qui fait déplacement pour venir même spécialement ça c'est une autre expérience marquante côté con adrénaline côté contrôler tout en public et pas cacher de ça un peu stress pour la première fois sur scène et puis mais qui t'est venu bien passer tout et c'est comme ça et tout font recul et puis me dit OK moi vraiment t'ai aimé pousser à faire DJ ça plus loin et c'est comme ça moi continuer à pousser la pousser mais côté que moi penser les vienne prendre en plus grand ampleur c'est les moi vienne exposer à des réalités parce que quand moi continuer à performer des activités pour ici pour là donc moi commencer que je sous moi donc ça veut dire que des expériences que si moi t'ai dans une ou deux activités m'pas ta faire moi viens faire connait donc moi viens exposer à des réalités difficiles et qui frappent tant que c'est là ça moi viens exposer que il pas facile au fait pour une femme DJ parce que les moi viens dans monde ça c'est surtout des hommes partout et un milieu majoritairement dominé par les hommes donc moi viens pour m'rester dans domaine ça et il pas venir en hobby seulement donc c'est
kounyen la, problème, obstacle, challenge, si m'ka dit comme ça, commencé. Et l'aime vin faire expérience ça, au lieu que pour l'état faire back, une femme peur parce que moi gain et 9 to 5 moi c'est ma pas expression américaine, ça veut dire travail stable. Donc pour que ça moi vin by tête moi tout problème ça, pour que ça moi vin lancer dans un challenge, dans un obstacle côté que vin by tête mon problème si m'ka dit ça comme ça. Et ça que fait me venir rester c'est parce que moi vinn sentir que OK mais qui ça plateforme moi pour aller moi voulais montrer que femme nous capable moi vinn utiliser ça comme une responsabilité même si c'est dans domaine DJ mais c'est dans n'importe quel domaine que montrer que femme capable et c'est là vraiment moi vinn affirmer tête moi en tant que DJ parce que moi vois que son plateforme qui ka al pi loin que ça seulement que ça au bail il y a seulement et ça son là que moi vinn prendre tout à fait au sérieux moi vinn décider que c'est pas un hobby seulement c'est pas un bail que m'a fait sous côté seulement moi veux imposer madame et c'est sûr que au début et entourage moi pas trop content de ça parce que quand même et nous connaît qui ça est une vie artistique qui en Haïti n'est pas facile et surtout j'aime dire là pour entourage c'était juste son hobby c'était juste son divertissement et puis là ouais que vraiment commencer vienne sérieux là-dedans j'ai commencé peur pour moi tout donc il est pas facile mais à force de persévérer à force de montrer côté que m'étais voulu arriver avec Baï DJ ça entourage vienne comprendre moi plus et connait ce sommet meilleur supporteur. N'a vive dans un pays qui très machiste côté que garçon pas jamais veulent bay femme place yo côté garçon toujours senti en concurrence avec femme côté que comme si son problème yo yé gain de certains métiers si femme n'en fait yo senti que li face à yo même surtout deux métiers ça yo en tant que avocate et puis DJ. Quel est le plus gros problème que tu as rencontré sur route? J'ai aussi bien dit là, c'est une société machiste. Et ça fait ça, c'est parce que y a un problème dès la base, dès l'éducation. Il faut formater garçon pour un genre, il faut formater fille pour l'autre genre. Il faut formater garçon pour lui faire un type de métier et fille pour lui faire l'autre type de métier. Donc c'est un problème d'éducation qui vient amener à une société machiste. Nous avons des exemples côté que il éduquer un garçon pour l'effort et en fille pour lui reculer, pour lui réserver, pour lui pas porter voile trop fort, pour lui toujours un petit peu et en mode de recul, rester derrière mari. Donc ce sont des modes et de tradition d'éducation que nous répéter qui viennent ba nous résultats société machiste et faut nous faire très attention à ça et faut nous faire un genre pour nous changer perception les pas qu'a fait en ce jour c'est clair mais et des sensibilisations sur des modes de vie des modes d'éducation sensibiliser sur des nouvelles perceptions c'est ça qui permet nous dans notre société demain. Et pour revenir dans l'expérience personnelle pam m'ka dit aussi frappante que ça va paraître ni dans le domaine avocat ni dans le domaine DJ c'est toujours même et c'est m'ka dit comportement discriminatoire ça qui répété mais le comportement discriminatoire c'est parce que le fait que moi son femme là il vient automatiquement veut dire que m'pa gain même opportunité avec un garçon ça veut dire que il aime paraître en côté en tant que avocate en tant que DJ ça veut dire on au bon log mais c'est quand ça qu'a passé sur moi et puis il pas même réaliser que c'est un monologue que mais c'est après ça l'aime vivre face à face ça veut dire oh a passé où qui était avocat oh a passé où qui était DJ ça sont exemples banals mais c'est pour dire c'est pour un petit peu frapper l'opinion pour montrer que et qui ça qui expérience donc son expérience on peut dire discriminatoire parce que il est pas facile pour une femme imposer et c'est pour ça que peut-être côté moi venir ouverture c'est que c'est pour ça me parler d'éducation il peut-être élever nous pour nous réserver même dit nous ça veut dire nous même femme pour nous pas porter voix nous autre mais il faut nous pas peur tout parce que là nous réussir
porte voix nous yo quoi moi yo garçon yo tendez nous et c'est pour ça pour travail ça continuer pour nous suspendre et peur et à l'abri pour nous faire lumière sur ça n'a fait pour nous imposer tête nous pour nous montrer qui ça n'a fait dans le domaine là parce que des fois nous pensons que les plus difficile que ça nous était qu'à quoi et là nous fait pas et nous arriver et même qu'a dit et son exemple vivant parce que en si peu de temps quand même et moi passé dans un DJ que garçon personne pas connaît et connaît qui plus ou moins a fait place les dans le milieu dominé par des hommes et c'est pas facile j'avoue mais faut pas être fait faut pas peur engager ou faut pas peur porter voix au pire et c'est dans ce sens tout que parents deviennent peur pour moi si m'a répondre deuxième partie question parce que yo connaît toute réalité ça et c'est ce que un parent et son monde qui protecteur qui t'a remé meilleur bail pour petit qui pas t'a remé que petit exposé à des obstacles à des dangers donc c'est sûr que devine peur mais et support tout puis mais vienne plus fort qui vienne voulait pousser plus loin ça m'a fait parce que leur faire on bagaille avec passion est très important pour tout environnement ou avec ça vient bon force pour continuer à faire ça à faire parce que à un niveau ou un autre et ou besoin puiser énergie ou besoin puiser inspiration ou besoin modèle ou besoin conseil même si ou son monde un caractère fort mais ça ou besoin de puiser inspiration j'aime dire précédemment côté il était important pour moi pour tout environnement avec pour aider pousser voir plus loin et ces conseils ça que moi tout profiter by et toute femme je dis donc pas peur et pousser voir non pas peur aller de l'avant parce que éducation nous fait nous toujours prendre petit recul dire quoi m'a capable ou quoi milieu ça c'est pour moi qui j'aime à faire face à tout le garçon ça et quoi moi depuis nous mettre sérieux nous depuis nous persévérer depuis nous mettre audace depuis nous faire tout ça n'a fait à bien voir nous à privé côté de river merci la vie. Qui ça féministe représente pour vous? Et qui joue la lutte féministe en Haïti? Je suis très content que vous posez la question ça parce que en Haïti, depuis un monde parlé de féministe, tout Dieu viré sur vous, tant que c'est un bagage péjoratif. Et je comprends quelque part pour qui ça que la conception ça vient comme ça. Parce que il y a plusieurs étapes dans la lutte pour le droit de la femme. Peut-être qu'à un certain moment, il était nécessaire pour qu'on féministe extrémiste. Si on a retourné une cinquantaine d'années en arrière, côté femme, pas de droit à voter, côté dans le code pénal, l'adultère, c'était et la femme était pénalisée pour l'adultère. On peut comprendre que dans l'époque, ça, il était important pour qu'on féministe un petit peu extrémiste. Mais avec l'évolution du temps, avec des droits qui commençaient à acquis, parce qu'on est une femme qui a voté, qu'on est et modifié le code pénal, qu'on est une femme qui a plus d'opportunités, et qu'on parle en pile de quotas cette année-ci parce qu'il y a pu équilibrer les institutions. Donc, il y a toute avancée ça qui fait au cours des années, qui fait que féministe pas obligé extrémiste j'en ai longtemps. Pour moi, féministe, et selon définition personnelle PAM et selon orientation que je voulais parler dans le combat, c'est une démarche inclusive. C'est parce que si nous voulons arriver vers un développement, il ne faut pas être menti, il faut le faire avec femmes et garçons. C'est ça nous le développement paritaire. Donc c'est ça qui est la définition, définition PAM de féministe. Qui c'est définition de féministe et me penser que et même si gagne des droits qui commencer acquis mais faut lutte à continuer faut gagne des sensibilisations qui pour continuer faite pour un changement de perception c'est comme ça que au fur et à mesure on a fini par atteindre et étape que nous voulons arriver aussi faut nous marcher avec temps évolution et société en tout pour qu'on l'autre perception pour former gain plus opportunités pour que nous pas besoin la question de quota encore qui ça qui quota c'est que et ça veut dire que pour équilibrer institution il y a priorité à des femmes pour respecter un certain nombre de femmes pour équilibrer institution donc peut-être que lutte là supposé continuer pour quota pas nécessaire mais que pour femmes gain même droit même opportunité
pour même accès parce que compétence permet yo là place c'est là mais c'est pas parce que femme ou bien c'est pas parce que gon quota qui respecté qui fait yo là et c'est dans sens ça que moi voulais et démarche féministe aller n'a pas retourné sous DJ Kemi ça moi fonti la gay avocate la première fois que ou jouer comme DJ en public comment ça t'est première fois que moi jouer comme DJ en public qu'un deux aspects là-dedans qui est selon perception PAM, ça me vit, et selon perception publique là. Selon perception PAM, c'est que qui en fougue, qu'on passion, qu'on adrénaline côté moi voulais retransmettre forme d'or ça parce que DJ c'est en forme d'or, côté moi voulais retransmettre toute vibration ça par en public. Côté que moi voulais et by public yo en divertissement. Donc c'était ça expérience PAM, c'est sûr que j'étais accompagné de un peu de stress. Mais c'est une expérience extraordinaire tout parce que là tout Dieu ça a braqué sur vous et puis si m'a employé expression anglaise algon crowd control si m'a traduit ça veut dire ou contrôler foule là si m'a ka dire comme ça c'est une expérience extraordinaire son feeling extraordinaire que qui kembe ou qui faut envie refaire à chaque fois et selon expérience publique là c'est sûr que leur transmettre des vibrations yo capter yo retourner ba auto mais expérience pas moi trouver les premiers moments les premières fois c'est une expérience de curiosité parce que tu as besoin ouais qui ça en fic pour aller bail sous scène c'est pour ça que j'ai analysé tout ça m'a fait au moins de détails est-ce que techniquement bon est-ce que moi DJ aussi bien qu'un garçon désolé si moi retourner à chaque fois dans la comparaison mais parce que c'est ça m'a vivre et c'est comme ça m'a parlé de lui donc c'est surtout curiosité c'est et, qui j'aimerais faire ouais curiosité au premier moment parce que même à performer même si m'a joué des musiques des hits mais public là juste un peu l'a regardé pour qui ça parce que l'a analysé ça m'a fait il fasciné et peut-être pour le fait que c'était une fille qui était sous scène donc pour moi même il était une particularité là-dedans et c'est ça que t'es expérience pas première fois moi performer sur scène. Nous connaissons en Haïti chargé DJ, mais c'était toujours garçon que nous connaissons et qui jouait rôle ça. Et qui gens leur fait paraître comme femme dans ce secteur ça, l'autre DJ garçon a été accueilli. Moi, j'ai dit que l'autre DJ a été bien accueilli. Moi, j'ai pas eu aucune mauvaise expérience avec l'autre DJ. Il a toujours ouvert pour des collaborations. Il a toujours et répondre à l'appel et si moi demande des collaborations à mon tour et même des conseils je suis toujours prêt pour yo bailler toujours bon respect si me ka dire comme ça et dans l'engagement et jusqu'à présent et son expérience positive mais côté que mal pi fond en question si me veut al pi fond en question selon perception pas mais c'est pas yo qui dit me et personnellement selon perception pas de ça moi comprendre. Moi senti que yo wèm tan kou yon DJ fi. Ça veut dire que pa nan même catégorie avec yo. Donc quelque part et menace, j'ai pas senti menacé pour ça m'a fait et c'est peut-être là moi voulais orienter ba yo parce que moi pas voulais seulement connu tan kou yon DJ fi mais tan kou yon DJ tout court. Ça veut dire que moi voulais qu'on seule catégorie, en catégorie de DJ. Merci la vie. Merci la vue. Merci. 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 Merci la vue. Radio Nationale. Merci. Merci la vue. Est-ce que ça arrive déjà qu'on fait face à des propositions indécentes? Et si ça arrive déjà, comment que ou même ou te fait face à situation ça? Oui, malheureusement, moi ka relate que ça arrivait côté que te vive des cas de propositions indécentes et même d'harcèlement sexuel, c'est un cas dire comme ça parce que là on sous scène ou exposé à tout type de personnes. Ça arrive et là m'a parlé de difficultés dans le domaine moi et en pile fois ça c'est une difficulté que moi sous entendu
harcèlement, proposition indécente. Et que j'aime faire face à ça, et en pile fois, pour me mépriser les propositions, parce que si son harcèlement verbal, c'est un cas de comme ça, me mépriser, me pas coûter, si son cas côté que son proposition indécente, me toujours armer et de tout courage. Mais nous pas parler tout à l'heure de je connais mes droits, je connais mes droits. Donc, je toujours en même de toute bagaille, ça, je mets toute chance de côté pour me faire face à eux. Et si ça arrive pour me perdre un contrat à cause d'une proposition indécente, je toujours été ferme à dignité, ferme à côté de l'arrivée. Je vais arriver vite, même de l'arrivée, parce que je travaille pour ça me faire. Donc, c'est comme ça que je gère les situations. Et dans ce monde. Ou avocate et DJ en même temps? Si oui, qui j'en gère ça? Avocate et DJ en même temps, et c'est deux bagailles totalement opposées, l'on regarde. Mais quelque part, je réussis à mettre ensemble, je réussis à équilibrer deux vies sérieuses. Et c'est comme ça que je viens créer un mouvement que me relais. Attention, je connais mes droits. Donc, je connais mes droits, c'est un jeu de mots. Droit, D-R-O-I-T-S. Ça veut dire je connais mes droits en tant qu'avocate. Et puis, droit, D-O-I-G-T-S. Je connais mes droits parce que en tant que DJ, c'est droit que je vais utiliser pour manier en parler. Donc, je connais mon talent. Donc, ça, c'est un mouvement que je lance qui t'a inspiré à partir de Vim, que je connais mes droits, je connais mes opportunités, je connais mon talent. Moi qui arrive, tout côté me dérive avec ça m'a fait. Moi qui place moi dans la société avec ça m'a fait. Dans tout ça, vive là, ok, Missa. Côté cœur, comment ça y est? Moi vraiment pas t'attendre à question ça prend un petit peu pas surprise. On dit que quand on n'est pas marié, on est célibataire, c'est ça? Donc, côté cœur, je peux dire que je me concentre sur ma carrière, sur mes carrières, si je veux dire. Et j'espère trouver quelqu'un à mes côtés qui saura appuyer, qui a couru dans sa affaire. Donc, c'est réponse à ça que je travaille, côté cœur. Par rapport à réponse à ça, est-ce que m'a dit que Kimi ça seule? Attention, cette réponse n'est pas une invitation, mais effectivement, je suis seule. Auditeur Cap Coute Mio, attention, et Kémissa dit non que dit seule, mais ce n'est pas une invitation. Alors attention, pas prendre ça le dire pour une invitation, elle est très seule, mais elle voulait être concentrée sous carrière liée. Pour nous finir l'émission, est-ce qu'on a dit nous qui projet qu'on gagne en cours pour l'année 2019 là? C'est pour l'auditeur Ottawa qui j'aime absourire pour répondre à cette question ça. Je ne pas prêter sur le sujet, je vais changer de sujet tout de suite pour m'aller dans le projet pour 2019. Ouais. Et je vais remettre au top, qui ça veut dire. D'ailleurs, c'est slogan au top. Et c'est ça qui est dans toute page sur les réseaux sociaux, au top qui est ça. Ça veut dire que atteindre un maximum d'objectifs que possible, que projet, attention, je connais mes droits, par exemple, je vais sensibiliser et jeunes et jeunes talents et faire un maximum d'activités, que plus de monde comprenne ça m'a fait, que la plateforme réussisse à toucher plus de monde. Et bien sûr, si on a parlé de projet artistique, on a dit que on DJ à part entière, il faut lancer le tout dans des productions originales. Donc, pour la première fois, on a sorti la première musique originale. Année ça, c'est un cas de projet. Et pour les gens qui suivent le projet, bien sûr, on a invité à suivre sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, et au top Kémissa. Et c'est sur Paysaro, Napoué. Tout futur projet ou même déjà annoncé yo, c'est musique originale là, c'est porter et campagne attention je connais mes droits sur le territoire national, surprise toujours et cap venir pour et fanatique yo. Donc moi remercie yo le fait que supporter me jusque là, parce que et vraiment moi recevoir un pile encouragement de fans yo. Donc ça permet moi gagner
et inspiration pour continuer à faire ça m'a fait puis bien toujours et moi remercie déjà pour support que vous avez donné pour projet futur. Des pieds moins qui portent moins côté toute source d'eau à couler. Moi, je souhaite déjà bonne chance pour projet qu'on gagne pour 2019 yo et l'autre projet qu'on a gagné pour gagner pour toute l'autre année qui va venir. Et qui dernier mot côté qu'a ajouté pour encourager jeunes qui t'a aimé et prend chemin ça, qui jeune fille, jeune garçon qui t'a aimé vienne DJ ou bien avocate, pourquoi pas? Avant, je t'aimerais remercier Déborah le fait que tu es invité dans l'émission et je t'aimerais remercier tout auditeur qui t'a écouté à soir parce que nous connaissons une émission qui est très écoutée, que m'habitue à écouter tout moi-même et c'est tout un plaisir pour moi que à soir que c'est moi-même qui a interviewé. Donc c'est un plaisir pour dire échange ça, causerie ça parce que nous parlons de un peu de bagarre. Donc je remercie pour ça et remercie tout le monde qui était prêt à écouter. Et comme dernier mot, je t'ai aimé qui était pour jeune, qui t'a aimé DJ, qui t'a aimé avocat et pourquoi pas qui t'a aimé suivre vieux parce que qui est un peu jeune, des fois qui ont rêve pour lancer un métier mais ils ont peur parce que ils pas gagné, ils ont coup de modèle. Il n'y a pas de modèle pour suivre et peut-être que vous faites un bagage pour manque de choix. Donc, moi, j'aime encourager pour toujours croire dans le rêve, mais attention, là, nous croyons dans le rêve, nous, toujours amener nous de meilleurs outils possibles et un des meilleurs outils, on pense que c'est l'éducation. Toujours courir tout ça, on a fait avec l'éducation, former tête, nous, formaliser ça, on a fait, encadrer et rêve, talent que nous gagnons en mettant toutes les chances de notre côté. Et Jeunio, c'est avec Moussa que m'a quitté nous. Merci encore, merci à tout le monde qui t'a attendu. M'aimer nous. Merci pour voir qui a parlé. Tout ça non moins pas cassé. Vous aurez moins qui attendé. Yo femme qui besoin parler le problème yo voulez voter. Merci pour monde qui pas jugé. Bon moi l'amour là yo croisé. Toujours vini pour yon bravo. La lope di adres, mwen lovan yo apliye. Anjou mwen ri, anjou mwen kriye. Pansa la vi m'a deploye. Genye rezon pou m'da plenye. Men pito mwen konte tout sa mwen genye. De fwa m'bite m'de kringole. Men lam tombe m'doujou leve. Sou de pie mwen gipote mwen kote tout sou sto yo apoule. Merci Kemisa pou participasyon nan Voix Femme. Et merci pour ti moment ça côté passé avec nous pour toute confidence ça yo côté fait nous dans l'émission. Nous espérons très bientôt que Voix Femme a en direct avec tout auditeur yo pral danser yo pral encourager DJ. Moi promets donc que très bientôt très bientôt depuis DJ Kemi Sab jouer n'a en direct n'a live sous page Voix Femme Facebook là pour nous permettre de vivre Kemisa qui a déposé. Merci Kemisa et puis nous souhaitons bonne chance dans toute soirée bien pour entreprendre. Invitation exclusive scoop m'a profité inviter Voix Femme dans une performance live mais qui a fait pour anniversaire moi donc ça pour une occasion spéciale le 24 mai à l'habitation Chopin des 9h. Émission arrivée dans bout li, merci à vous-même qui continuez à supporter l'émission ça. Nous espérons qu'il toujours porter un changement dans vie à travers histoire qui partage yo. Pour présenter l'émission ça, c'était Déborah Jean, réalisation Julien Virgile. Quoi dans rêve, quoi dans tête ou respecter tête ou pas laguer en pile l'amour. Bon dimanche, bonne semaine. Thank you.
Avocat, artiste, docteur, professeur, journaliste, athlète, musicien, entrepreneur, marchand. Yo c'est femme pays, potomitan, pilier nation. Radio nationale pote pour nous voix femme. Toute femme la pays. Voix femme, c'est une émission cap passé chaque dimanche bon 7h cap partager à coup information, expérience. Toute qualité femme dans société. Femme si la yo gen ke, yo gen nan ma courage. La point femme sous la terre, qui ka femme passe ça à la femme yo belle.